Salut les viewers, c'est Marcus Magnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The Technomancer. Donc chers amis, j'ai fait ma petite recherche en espérant être le plus safe possible, j'ai mis un petit peu de temps quand même. Histoire de pas me spoiler du tout la chose, ça n'est pas ici qu'on trouvera ce qu'on cherche, il faut retourner à Ophir. Oui, faut retourner dans les bas quartiers d'Ophir. Oui. Donc voilà, bah écoutez, on sait où est-ce qu'on doit aller maintenant. Je pense tout simplement qu'on va y faire un tour, voir un petit peu les kékettes qu'il y a sur place. Sachant que le prince marchand là, moi j'aimerais bien plus lui piquer son fric que de rester avec lui en fait, tout simplement. Donc bon, on verra si c'est possible ou pas, hein, s'il y a moyen de négocier un petit peu. Je te laisse la vie sauve, tu me donnes ton fric, machin tout ça, ce serait peut-être pas mal. Bonjour mademoiselle, bonjour Nisha. Zach. Perfect timing. You remember Abby Goodman, friend of mine you helped before? Oh, oui, je me rappelle d'elle. Yeah, of course. She really your friend or all just part of the cover you had going on? No, no. She is. She's a spy for Noctis. Oh, carrément. She's actually been working on something for me and finally managed to get some info I'd been trying to get. Oh, intéressant. What information was that? I spent a part of my life in a rehabilitation camp after my arrest in Ophir. D'accord. It was the worst time of my existence, and I always wondered how I'd ended up here. Who had turned us in? We were just a group of street kids. We would steal food here and there, but we weren't dangerous. However, we were arrested and deported to a camp like hardened criminals or terrorists. What happened followed me for many years. Until I learned that an important member of the Vori clique was responsible for the deportation of dozens of people. Most of them were innocent, but a nuisance for the mob. Ha, ça tombe bien, j'ai donné une raison pour être tapé sur ce mec. Vous savez, le mec qui est dans le casse-t-il bureau dans les bas quartiers. Je suis d'accord. And my companions, of course, but also for those poor people who hadn't asked for anything. I'm sorry, but I can't come with you right now. I see. Oui, je crois que je peux pas venir avec elle parce que justement j'ai Andrew avec moi. Bon, on va. Ah, attendez. Andrew il a besoin d'un truc pour récupérer son bras. On avait vu Scott ici. Peut-être que Scott en saura plus. Zachariah, you look good. Better than I. As if that was hard to accomplish. Interrogé sur le handicap d'Andrew, voilà. What do you think about Andrew? He comes from Ophir, like you, and he could have become a technomancer. But he had an accident. I remember, yes. You know that I was the one who had spotted his abilities and had taken him to school, as I did for you. I thought that he was dead. That's what I was told. That oui, bah, effectivement, toi, il est juste là. I shouldn't have listened. C'est un fantôme. Yes, but he lost an arm during the accident, and he can't use technomancy anymore. How so? That's ridiculous. Technomancy has nothing to do with arms. It is all in the head. You just have to... Let me think. Yes, I think that with... Yes, that's it. With a full Technomancer kit, I would have the parts needed to create a bypass on a classic prosthesis. I would need my notes to do that. Your notes? Carrément? I studied Technomancy as well. Anyway, from a scientific standpoint, obviously, I have never thrown lightning bolts and I can't do it physically. Moreover, those kits wouldn't suit me, I'm sure. Scott, you studied technomancy? On fait genre, on n'est pas au courant. I conducted in-depth research on the way in which your neural network expressed its static charge throughout your equipment. But all this is old. I can't remember. Eh ben non. My notes in Ophir. I won't have any trouble helping that boy if you bring me my notes and the equipment. You wanted something else? No, thank you, Scott. I'm gonna try to bring all that back. Alors, trouvez des recherches sur la technomancie et trouvez un uniforme de technomant. Et bon, on va aller à Ophir. On va pas s'embêter, on va aller à Ophir directement et je pense qu'on va être en mesure de faire ce dont on a besoin. Voyager. Alors là, on a les Val, Manir et Nimiris, le vieux dôme. Trouver un instateur, trouver les recherches de Scott, trouver un uniforme de technomant. On y va. On y va.
Explore les environs pour trouver différents types de conteneurs, des casiers ou des caisses. Oh, c'est joli. Hey there, you from Noctis. Don't seem like a merchant. Yes and no. Here on a private matter. You by any chance know the underworks? Well enough. Even here, there's rules that forbid us to go to certain parts of the city, but in these tunnels, they become little more than technicality. Hmm. I'm looking to get to the Technomancer's chapel. There's an entrance in the crypt, but I don't know how to get there. Well, I can show you the tunnels under the source. Once upon a time, I used to smuggle merchandise. Once upon a time. Remember hearing about some magical gate down there too? I take it it's the kind of gate only your kind can open? Yeah, I've run into a few of those along my travels. I'll show you on a map. Be careful, Mr. Technomancer. Hmm. The tunnels have always been guarded. Now it's probably even worse. Word is that the ASC forced its way into the chapel's main entrance. Oh, ça pue. I'm gonna need another Technomancer to help me open this gate. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Find another way in. I'm sure it won't be easy, but thanks for the help. It's gonna do a lot of good. Good luck. Good luck. Ah, il est sympa, je pensais qu'il allait réclamer quelque chose de plus intéressant que de la chance, si je puis dire. Mais bon, c'est intéressant, ça me plaît. J'aime beaucoup sa réaction, c'est agréable. Allons-y. Ah, je croyais que je pouvais plus monter, je croyais qu'il y avait un gros mur invisible de la mort. Bon. Bon. Hop. Ici, c'est bon. Je vais ouvrir, crac. Open the door. Ok, bon. Je me rappelle plus les titres. C'est bon, ça revient. Hop. Hop. Parfait. Aïe. Hop. Qu'est-ce que c'est? C'était le bouclier, ça? Je l'ai mis ou... Non, c'était l'arme. Non, c'était le bouclier, apparemment. Je sais pas. Hop, bouffe. Voilà, on les a eus. Bon, faut que les touches reviennent. Hein. Le week-end est passé, mais faut que les touches reviennent. Je vois pas du tout où je suis. C'est pas là que j'ai buté tous les mecs, la dernière fois? Si, je crois. Ça me dit vaguement quelque chose. Mauvais cuir, tout est relatif. Hein. Les sous-sols. Ok, faudrait que je remonte par là. Partout où je remonterai, j'arriverai en fait. Donc je peux peut-être ressortir par là et aller jusque là-bas. Hop, allons-y. Faisons le test, on verra bien. Hop. Bonjour. Oh, des ennemis. Hop, et de une. Hop. Niveau 20. GG. Un point de compétence. On va aller s'empresser de mettre. Ça, c'est technomance. J'aime bien les sortes de technomancie, moi. Avec l'arc électrique, oui, ça, c'était pas très... Ah, c'est intéressant ça aussi. Ouais, non. Là, je me battais au bâton là-dessus, je crois, c'est ça, non? Ouais. Il n'y a pas un truc genre frénésie? Ouais, voilà, c'est ça. J'ai déjà plus de place. J'ai déjà plus de place, moi, en bas. J'ai déjà plus de place. Bon. Où est-ce que je le mets? Marcus réagit. Tire au pistolet amélioré, qu'on permet d'enchaîner plus rapidement après une attaque au pistolet, d'accord. Ou alors je peux peut-être améliorer un sort directement. Non, j'ai déjà fait le choix ici. Oh, une régénération de vie, je prends. 0,30 points seconde, c'est intéressant. Je crois. Est-ce qu'on dépece? On dépece. Des fois que, mauvais cuir sérum 3.
Comment banaliser le fait qu'on va mettre de l'argent sur les monstres? En disant que l'argent, en fait, c'est le sang de chaque monstre. Ok. Bon, ok, on a tout pris. C'est beau, ces mouvements. C'est beau, ces mouvements. Hop. C'est joli dans le coin. Oh! C'est quoi le gros derrière? C'est quoi ce machin? Oh la vache! Les mecs? Ok. Hop. Il part. Boum. Ils sont balèzes. Reconnaissons-le. Ils sont extrêmement balèzes. Ça me trouve le cul presque. Je dis bien presque. Lui il a pas donné plus de choses que ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage. J'ai pas réussi à avoir des choses par là. Si, si, j'en ai une. Bon. Écoutez, on va grimper là, alors, du coup. On va aller voir la suite. Salut, les filles. Elle va aller en forme. Je peux utiliser mon sort? Hop. Aïe. J'ai pas vu celui-là venir. Hop. Aïe. Là, je l'ai vu venir, mais j'ai décidé que je ferais abstraction. C'est pas ça que je voulais faire. Je rappelle plus. Les postures. Voilà. J'aurais dû prendre le pistolet. Bon, c'est pas grave. On les a toutes eues. C'est ce qui compte. On les a toutes eues. C'est ce qui compte. Ok. Oh, il est bleu. Je l'avais pas fouillé. Ok, bah on l'ouvre. Hop. Crac. De toute façon, je dois avoir un copain dans la capitale pour me vendre des choses. Après, ça peut être sympa. Par contre, passer par là, c'est peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues au monde, hein, soyons honnêtes. Allez, dans les bas quartiers. Ah, dans les bas quartiers, je devrais pouvoir trouver de l'aide. Je devrais pouvoir trouver de l'aide. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. C'est pas dit, hein, mais... Vous voyez, il n'y a aucun garde. Passer par les bas quartiers, peut-être la meilleure idée que j'ai eue. Des gens là. On a remis des gardes partout. Merde, y'a des gardes partout. Y'a des gardes partout. Ils m'ont pas vu. Merde, ils m'ont vu. Ok, j'ai eu celle-là. Bouf. Hop. Hop. Bouf. Merci. Je vais les fouiller, je vais pas les achever. C'est ma guerre, pas la leur. Hache plate. D'accord. Et toi ici, tu avais quoi sur toi? Débris électriques. Bon, ok. On continue. On est dans les bas quartiers, mais il y a de la défense. Donc ils ont, à mon avis, nettoyé un petit peu les bas quartiers. Ce qui risque de rendre les choses un peu plus compliquées que prévu. Ok. Et apparemment, il y en a qui veulent ma peau. Aïe! Hop, on a eu celui-là. Hop. Amalia n'est pas là. Ça m'inquiète. Bouf. Ok, c'est bon, les a eu. Pas trop de soucis. Ah, il en reste un. T'arrêtes d'attaquer mon pote. Merci. Le pauvre, il est handicapé, on tape pas les handicapés. Hop. Aucun objet récupéré, merci le jeu.
Masse lourde à boulon. D'accord. Ça va être pour Amalia. Amelia. Du coup, on va l'équiper tout de suite. Cette jolie fille. Ça, c'était... Ah, mais non, ça, c'était... Voilà. Et voilà, Amelia. Au niveau des armes. C'est déjà la chose la plus intéressante. Ok. Au niveau des jambes. Celle-là me semble bien mieux. Au niveau des bottes... Oh. Non, celle-là me semble bien mieux. Là, on a le bouclier de soldat à lame. Là, la veste du mercenaire qui ne lui va pas. Faudrait trouver quelque chose d'à la fois joli et... Ça, non. Égout anti-sable, ça peut très bien lui aller, mais... C'est dommage de cacher son visage. Ok, bon, bah écoutez, on va continuer alors. Je vais pas les achever, j'ai dit. J'aimerais cependant pouvoir trouver... merde, je suis... Ah non, c'est par là. Ok, hello guys. Hop. Oh joli, il me la met dans la nuque. Et met deux coups là. Ah, je suis un peu loin. Aïe. Il me fait mal celui-là. Hein. Oh celui-là. Hop les. Je sais ce que j'ai esquivé à la base. Aïe. Pourquoi tu me tapes? Ah t'es pas Amelia toi. Amelia réveille-toi. Faut aller travailler. Ok mais j'ai plus la boule. Voilà. J'avais plus de régène en plus. Hache plate. Bon. On va fouiller ça. Hop. Deux de sérum. Ok. Qu'est-ce que... D'accord, c'est eux qui m'ont vu. Aïe. Mais t'arrêtes de me frapper comme si j'étais un sac à patates. Aïe. Ah mais en plus j'aurais pas donné d'ordre, je suis stupide. À mes copains. Offensif et toi défensif. Voilà. Voilà pourquoi j'en chie je pense. Pourquoi j'en chie à ce point en fait. Ok, donc en fait on a pris le mauvais chemin dès le départ, c'est cool. On va faire toute la zone, c'est pas grave. Ah, se ralentit parce que voilà, monsieur a grimpé une marche. Je suis un héros, j'ai grimpé une marche. Hop. Bon alors qu'est-ce qu'on a dans le coin sur la map? J'ai dit sur la map. Je me trompe de bouton, c'est génial. Il faudrait qu'on aille voir les marchands devant. Là on a quoi? Trouver un trésor, trouver un uniforme. Un stator, trouver un uniforme de... Il faudrait que je monte. Oh merde. Et ici j'ai... Trouver les recherches de Scott sur la technomancie, mais je les ai déjà. Je les ai déjà les recherches. Trouver un stator, il y en avait un là. Oh merde. Mais écoutez, je vais aller voir en face. On va aller voir les marchands. Je suis marchand et je le reste. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Lui, il vend ses seringues. C'est bien. Ça m'aide pas, mais c'est bien. Et toi, tu vends quoi en ce moment? Good day. Care for some merchandise, officer? Je suis plus un officier, madame. Regardez les marchandises. Un choix. Voilà, du caca, du caca, du caca, du caca, du caca. Du caca, du caca, du caca, du caca, du caca, du caca. Rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Ok, bon, c'est pas grave. Du coup, j'aurais bien vendu 2-3 trucs. Tant que je le peux. Ça, je veux la garder. La hache plate, j'en ai déjà quelques-unes. J'aurais peut-être pouvoir la mettre, en fait, l'équiper. Parce que celle-là, équipée, elle fait 34. Mais celle-là, je devrais... Bah oui, j'ai peut-être fait une connerie, là, mes chers amis. Mes très très chers amis. Bon, on revend ça. Ça, j'aimerais les garder. Je pense que ça pourrait rapporter des choses. Ça, faudra que j'en fasse du tri.
J'en avais un paquet, hein. Je garde celle-là au cas où, quand même, par contre. Hop, je la vire. Crac, voilà. Bon. Ça, c'est fait. Maintenant, je pense qu'en passant par là, on pourrait peut-être retrouver le bon endroit. Ah, oui, c'est bon, on y est. Sac! Hop. Oh la double bif, double sentence. Aïe. Tu vas arrêter de taper sur mon copain. Raté. Voilà. Merci de repasser plus tard. Bon. Injection. Bonjour monsieur. Rien. Injection. Marteau de fer. Ça c'est bon. Je suis sûr que je peux le caler sur Amelia. Peut-être pas. Si. Elle l'accepte. Elle le veut, elle le désire. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un véritable marteau. Ah, quoique celui-là ressemble plus à un marteau. Ouais, je sais pas. Ok, bon, on va partir là-dessus, c'est pas grave. Et je l'équiperai quand je pourrai. Joli. Joli, Amelia. Hop, allons là-dedans. Ah, merde, il y avait un cadavre au sol. Je l'ai raté. Elle a pas dit qu'elle avait des pièces, donc, chez elle. Oui, attendez. Elle est là-dedans. Elle est pas dans le niveau 3. 7h, c'est bon, je l'ai. Wouh! C'est la fête! Tiens, Amelia! Amelia! Hi, Zach. How are you? Hello, Amelia. I'm fine, thanks. Tiens, prends tes pièces. Zachariah, got my parts yet? As promised, rotor, stator, and thermic regulator. Damn. Nice work. Keep up like that and you might start growing on me. Pour un peu, tu commencerais pas ce qu'elle me plaît. We're gonna get my baby back on the road. Je t'en prie. Pas commencer les réparations tout de suite, on n'est pas à la bonne ville, on n'est pas au bon endroit. C'est un peu dangereux d'être ici, hein, vous savez, hein, je dis ça, je sais que je dis rien. Hein. Bon, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans le coin? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans le coin? Ici, récupérer les notes. Effectivement. Et ensuite, trouver un uniforme de technomant. D'accord, on y va. On y va. Oh, bonjour. Non, ah non, je crois que t'en étais un, dommage. J'ai cru. Là par contre j'ai peur, je pense qu'on va tomber sur des gens. Non, les voilà. If they're old notes, he may have hidden them before. You know. Before Mad was added to the front of Scientist. Whatever. I don't know when all that shit started. Ils sont géniaux. Le duo est épique, hein. Hi Zach, how are you? Est-ce que t'acceptes que je te parle de ça ou pas? Non. Parfait. On y va! Il ne nous reste plus qu'un uniforme à récupérer. L'uniforme, enfin la zone pour monter la plus proche, elle sera en face. On y va. Bonjour madame. Là il y a eu un truc très très triste qui s'est passé ici, il faudra que je... pose des questions. Oh! Vous êtes? Pas les technomans. Hop, tiens, bouffe celui-là. Hop, c'est fait. Aïe. Ah, j'ai entendu le petit... Oui. De charge juste avant. Tu me saoules. Pas que tu l'as visé. Voilà, problème résolu. Bon les mecs, falloir se calmer un petit peu en ville, hein. Masse si. Oh putain. Je pense que je trouve encore mieux que le marteau de tout à l'heure. Masse lourde à boulon, pourquoi pas. Elle avait rien sur elle. Lui il avait injection de concentration, pourquoi pas. Lui il avait rien du tout. Bon bah d'accord.
Pourquoi la lumière est toute rouge dans le coin? Hop, allez dans les sous-sols. Non, c'est pas là que j'aimerais aller. Non! Non, je ne veux pas! Non! Il y avait quelqu'un ici normalement, un vendeur. Non? Ah non, il est là. Ah, il veut pas que j'achète. Hop! Ça c'est fini. Les filles? Je suis là! Ouf! Hop, tiens! Merci d'être passé! Qu'est-ce que vous avez fait, Andrew? Andrew est mort! Andrew a cruellement décédé. Hop! Aïe! Oh la pif que je me prends! Et je ne repère mon armure, d'accord. L'armure disparaît. Je pensais que c'est une armure constante qui, vous savez, qui réduisait les dégâts, mais en fait non. Mais en fait non. Bon, pourquoi pas. Regarde ça. Wow, ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Tu me donneras toute ton échoppe. Officer, hello. What can I do for the blind officer today? Check out my merchandise. I have everything you'd ever need for hunting. Ouh. Mais c'est que des trucs vieux, ça, en fait, que t'as. Ok, salut. Alors, je cherchais un endroit où j'étais rap... Je me suis trompé de zone. Trouver un témoin de la pendaison. Mais c'est pas là que je veux aller. Moi, je veux trouver une armure de technomant. Mais merde, je me suis complètement planté d'endroit. Du coup, c'est par là. Sur la gauche. Sur la gauche. D'accord. Bon. On est à peine perdu. Tiens, regarde, j'aime pas ta coupe. Mais tu peux sortir ton arme. Joli. Venez voir papa. Il m'a quand même rentré dedans, lui, hein. Il s'est dit non, moi c'est l'électricité, je la connais, c'est que la fée électricité qui la donne. Du coup, non, j'ai pas senti la tienne. Il reste des gens pour taper sur Andrew. Andrew, peut-être sera peut-être un petit peu moins offensif, je sais pas. Je veux dire, c'est nul de mourir à chaque partie, hein. Je sais que je t'ai pas équipé du tout. C'est fait exprès, j'attends de pouvoir te mettre une vraie tenue de technomant. Et si possible, une tenue de techniquement, moi je voudrais avoir une tenue, par exemple Aurora et lui Noctis, quoi, ce serait cool. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Une tenue complémentaire de l'autre école, justement. Ça pourrait être cool. Mais bon. Mais bon, bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour tout le monde. Oula. Hop. Aïe. Mais je suis mourant. Hop. Aïe. Mais je viens de me prendre une balle, un headshot. Oh joli. Voilà, ça c'est fait. Apparemment, il reste quelqu'un de vivant. Non, non, et non. Et non, et non. Ah, dommage. Ok. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça va mieux? Vous en sortez, les filles? Sinon, je vais devoir équiper l'autre tintouin. Là. Ou alors, je m'habille en voleur. Et lui, je l'habille en technomant, mais c'est un peu tard maintenant. C'est peut-être un peu tard. Eh bien, écoutez, les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Non, parce que le lien de la mère de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo!